Après la publication des affectations et nominations des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Brazzaville par le porte-parole de la curie, l'abbé Donatien Bizabulu, les équipes presbytérales sortantes de certaines paroisses s'activent déjà à dire leur messe de revoir. Le cas de l'abbé Urgel Lababika, curé sortant de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, qui a choisi la date du dimanche 15 août 2021, date de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Ceci après 2 ans passés au service de la chrétienté de cette première paroisse de l'archidiocèse de Brazzaville. C'est une solennité, l'Assomption de la Vierge Marie. Bien-aimé Dieu, la solennité d'aujourd'hui couronne le cycle des grandes célébrations liturgiques au cours desquelles nous sommes appelés à contempler le rôle de la bienheureuse Vierge Marie dans l'histoire du salut. En effet, dans l'Assomption de Marie, nous contemplons ce que nous sommes appelés à atteindre à la suite du Christ Seigneur et dans l'obéissance à sa parole au terme de notre chemin sur la terre. Ce mystère de l'Assomption, c'est une expression de notre credo. Nous croyons à la vie éternelle. Marie nous a précédés dans cette vie éternelle. De la Vierge élevée au ciel, nous contemplons le couronnement de sa foi, de ce chemin de foi qu'elle indique à l'Église et à chacun de nous. Refusons le fait que cela soit une messe de revoir, mais plutôt une messe d'action de grâce. L'abbé Urgel Babika rappelle les principaux axes auxquels il a basé sa pastorale en tenant compte des 2 thèmes des années pastorales écoulées. J'ai eu la chance pendant les 2 ans de travailler selon les recommandations du diocèse avec un seul thème qui peut-être a été donné. Le premier thème, qui est celui de Brazzaville, qui est le temps de la et le deuxième thème, qui est celui de Brazzaville, pour suivre les recommandations de nos pères évêques, nous avons tracé 3 axes pour moyen ce thème. L'axe premier était une attention particulière à la richesse que j'appelle l'usine de fabrication des chrétiens, grâce à la richesse au catéchisme conforme les chrétiens. Deuxième axe, était le mouvement apostolat, c'est le lieu du témoignage. Celui qui a eu le baptême, qui a eu le catéchisme, doit témoigner de sa foi et de l'évolution de l'apostolat. Le troisième axe était le lieu où on vient prendre la notion spirituelle, l'Église, et particulièrement pour nous, notre Église est une cathédrale, et une cathédrale historique. À l'issue de cette Eucharistie, 2 chrétiennes se sont apprêtées à notre micro. Il est né à Vanabiso pendant les 2 ans, en tout cas, à l'île simple. À mon père, mon corps simple vraiment. Et qui peut recoter à l'île, il est né à Zali, à simple. Il est bien, c'est un bon prêtre. Hein. Quand on nous a annoncé qu'il allait partir, nous tous, on a grogné. Que l'équipe suit seulement ses pas, parce que c'est un bon prêtre. Merci. Cette célébration liturgique, en cette date du 15 août 2021, revêt une triple couleur, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, la fête de l'indépendance de la République du Congo et la messe d'action de grâce, bien évidemment, de l'abbé Urgel Babika qui quittera le Congo d'ici peu pour les études en République française.